Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch un peu spéciale. Ça faisait d'ailleurs très longtemps que j'en avais pas vu sur ma chaîne, sur le mode Blackout de Black Ops 4. Donc pour ça vous devrez avoir le type de véhicule que vous voyez actuellement à l'écran. Et vous devrez vous rendre dans un type de maison que je vais vous faire voir sur la carte. Voilà, et donc vous allez devoir vous rendre ici. Donc en gros ce glitch, il faut cette voiture et une maison comme ça. Donc il y en a plusieurs sur la map, des maisons comme ça. Et voilà, mais bon, vous pouvez trouver des voitures quand même plus près de l'endroit que je viens de vous mettre sur la carte. Et voilà. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo de glitch, et là je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un glitch blackout. Donc dis-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir plus souvent des glitch blackout, et j'aime bien la nouvelle saison de Fortnite, et dites-moi si vous voulez que je recommence les glitch Fortnite. Et donc, c'est parti, on se rend tout de suite à la maison. Puisque je suis dans le mode, on va dire, personnalisé, le glitch ne va pas marcher comme on l'espère tous qu'il va faire top 1. Mais quand vous ferez une partie normale, le glitch marchera beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qui se fait que dans ce mode là ça ne marche pas. Donc c'est un ancien glitch que j'ai remaster, en vrai. Ce glitch il existait déjà mais il marchait plus. J'ai trouvé un autre moyen pour qu'il marche. Donc voilà. Donc là on y est. Là vous allez devoir rentrer dans la maison avec le gros camion. Voilà, là vous rentrez là. Donc des fois je mets plusieurs manœuvres, mais là ça a bien marché du deuxième ou troisième coup. Donc voilà. Donc là la première fois je me ratais. Donc avec ce glitch, oui, j'ai oublié de vous dire, soit vous allez vous retrouver dans le ciel. Bon, en gros, si vous vous retrouvez dans le ciel, moi je vous dis, conseil de prendre beaucoup de soin. Parce que vous êtes tellement haut que personne ne va pouvoir vous toucher. Et après, vous savez jouer à la zone. Et du coup, si vous avez beaucoup de soin, vous avez de grandes chances de faire top 1. La deuxième façon du glitch, c'est que vous allez être sous l'eau et vous allez mourir de l'eau. Ou vous allez être carrément tellement propulsé par la zone que vous allez être dans la zone et vous allez mourir de la zone. Ou soit, troisième possibilité, vous allez aller tellement loin que vous ne prenez ni la zone ni l'eau et que vous allez faire top 1 en étant sous la map. Donc là, comme vous avez, je suis pas assez avancé le 4-4. Donc ça m'a fait spawn ici. Donc voilà. Donc là, je remonte dedans. Bim. Pour l'avancer un peu plus. Donc là, voilà. Faut que vous visiez la cheminée avec le truc de la porte. Donc là, j'avais pas encore compris qu'il fallait faire comme ça. Donc je ne l'ai pas fait. Là, vous ouvrez. Vous allez vite dans le camion parce qu'il peut disparaître sous la map avant que vous rentrez. Ça m'est déjà arrivé. Et donc là, vous allez voir. Ça, c'est what the fuck. Vous allez passer sous la map. Voilà. Fou. Donc là ça vous fait respawn, normalement ce n'est pas censé vous faire respawn mais c'est parce que vous êtes dans le mode personnalisé. Et donc là je vais tout de suite chercher une voiture qui c'est juste en bas. En bas il y a une station essence et il y en a tout le temps, des grosses comme ça. Voilà. Et comme je voulais vous le dire, la figurine Fortnite c'est la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne. D'ailleurs là je l'ai dans mes mains parce que je l'ai déjà imprimé et tout. Et je la ferai gagner un abonné. Bien sûr. Donc voilà, on va se retrouver à la station essence. Là, vous voyez, c'est juste en dessous et vous pouvez prendre ce petit véhicule. Donc là, je vais le refaire et vous allez voir. Voilà, c'est what the fuck. Donc prenez bien du soin au cas où que si vous alliez tellement haut que vous allez pouvoir marcher dans les airs, ça peut what the fuck. Au moins, ça va jouer au nombre de soins que vous avez sur vous avec le dernier survivant. Bon, moi j'ai déjà fait un top 1 comme ça, mais les gars, franchement, évitez de faire ça parce que ça se fait vraiment pas. Mais je pense qu'ils vont pas tarder à le patch. Mode blackout, c'est là où ils patchent le plus de glitch. Blackout, j'ai moyen, on va dire. En gros, ça va. Je trouve que c'est un bon blackout, c'est un bon battle royale. Par contre, je trouve qu'on gagne pas assez de points, quoi, dans ce mode de jeu. Genre même si on fait un top 1 4 kills, on monte pas assez vite je trouve. Faudrait qu'ils revoient leur système de points. Parce que le marché noir après ça monte tout doucement. Donc c'est pour ça que j'y joue pas trop. Je vais peut-être faire des vidéos à Apex. Je sais pas comment ça se dit.
J'ai téléchargé le jeu, je le trouve vraiment pas mal. Voilà, j'ai mis au moins 30 manœuvres pour y rentrer. Donc là, je vais fermer la porte au cas où. Donc là, vous allez voir comment il faut viser. Donc là, vous allez viser la cheminée avec le cadran de la porte. Voilà. Bon, là, je suis pas trop mal. Bon, j'étais pas trop mal, mais là, je ne sais pas ce que je fais. Ah oui, c'est vrai que j'avais voulu ressortir pour voir quelque chose. Là, vous. Voilà. À peu près. Donc là, on voyait pas la cheminée, mais il faut qu'à peu près elle soit équivalente. Donc là, c'est pas mal. Là, vous ouvrez vite la porte et vous montez le plus vite possible dans votre véhicule. Je sais qu'il y a un autre endroit où vous pouvez faire ce glitch. Mais là, je ne le fais pas voir en vidéo. En plus, je l'ai déjà fait à un endroit. Donc là, voilà. Donc là, c'est what the fuck. Bon, moi, sur ce, je vous dis bonne vidéo. Je vous dis bon game. Ciao tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like et un abonnement. Et moi, je vous dis, allez.